On a bien mangé, c'est toujours très bon. C'est une journée un petit peu cool pour moi aujourd'hui. Du coup, j'en ai profité pour passer un petit peu de temps avec Nico. Entre ces deux postes, ça va s'intensifier pour moi quand les enfants vont rentrer. On est invité chez ma maman pour son anniversaire. Il faut que j'aille encore régler les plannings de cantine. Nino a un cours d'anglais et après, il faut que je passe à l'institut aussi. Et après, bah, il y a des sports et les devoirs, quoi. Donc voilà, un petit souper. Que Thomas se me dit Suis en amoureuse avec ce petit monsieur. Tu dis? bonjour. Monsieur m'appelle Thomas, se me dit bonjour. Il s'appelle Thomas et il vous dit bonjour. Ça fait trop longtemps que je ne vous ai pas fait de story devant ce mur de fleurs alors que c'était mon quotidien avant. Avant la grossesse d'Alba, je suis passée à l'institut pour régler quelques petites choses, récupérer le courrier, tout ça. Et voilà. Well, you only need the snow. Nino a terminé, il a voulu essayer. Vous savez, je vous l'avais dit, il y a quelques temps, on a pris les leçons d'anglais Skyeng. Skyeng pour Alessio. Ça fait maintenant combien de temps? Ça fait souvent, il en fait Il en fait souvent. souvent, ouais. Je pourrais plus vous dire combien de temps, mais il en fait assez souvent. On lui a pris les cours en ligne. Et Nino, il voulait à tout prix essayer parce qu'en fait, ils sont dans une école où c'est biculturel, mais c'est biculturel allemand, c'est-à-dire qu'ils apprennent l'allemand dès la maternelle, mais l'anglais les intéresse beaucoup. Pourquoi? Parce que moi, je voudrais aller chez tonton Max. Ouais, parce que mon frère vit à Montréal et que là-bas, c'est un pays anglophone. Et on espère y aller au mois de décembre. Et du coup, Nino, voilà, il voulait avoir une petite base. Du coup, il a commencé son premier cours d'anglais aujourd'hui. Qu'est-ce que t'en as pensé? C'était bien. C'était bien? Skyeng, elle est vraiment adaptée au niveau de votre enfant, en fait. Vous pouvez prendre des cours à partir de l'âge de 4 ans. Et ils leur apprennent de façon ludique. C'est pas du tout un robot. C'est une vraie personne que vous avez en face de vous. Ils engagent vraiment et ils recrutent des personnes qualifiées.